de Saint-Martin. C'est vraiment le talent à l'état pur. Yves pouvait monter 6-7 courses dans la journée et aller au départ mettant les chevaux tout de suite au bout des rênes. C'était vraiment un plaisir technique en plus. Tout le monde a pu voir ce que c'était sur la piste, mais même le matin à l'entraînement, tout ça, c'était vraiment un grand plaisir de travailler dans des conditions comme ça. En regardant un équilibre aussi parfait qu'était l'équilibre à cheval d'Yves, c'était merveilleux. Il y avait une espèce de symbiose avec les chevaux qui était complètement... C'était naturel, c'était quelque chose... C'était tellement fluide à regarder que c'était naturel. Il faut absolument qu'un jockey ou un apprenti monte de la façon dont il se sent le mieux à cheval, de façon à ne pas gêner le cheval. À les Arcs du Saint-Martin, à Caïda, ça m'avait vraiment marqué, parce que ça, dans l'arc, c'était... On peut penser que s'il n'était pas pris l'initiative de lancer sa peluche le premier, il est assez probable qu'il n'aurait pas gagné. Yves Saint-Martin a été très important dans les 5 premières années que j'ai eues avec lui, qui étaient mes débuts à Chantilly, parce qu'il a été pour moi presque un exemple et un professeur. J'ai beaucoup appris en le regardant monter. Et c'était un style très pur et très classique, et c'est vraiment, ça a été pour moi très important, et ça m'a permis de gagner beaucoup de temps dans ma carrière. C'est un vrai centaure.